Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour un petit haul. Je sais bien, c'est pas courant chez moi, mais j'en fais de temps en temps. Je me dis si ça peut aider. Voilà, donc déjà j'ai pris pour 1,54€ les prix de la laine. En fait, c'est pas pour tricoter parce que je suis nulle au tricot, au crochet. Ma mère essaie de m'apprendre, mais jamais réussi. En fait, c'est pour faire les reliures d'albums. Donc, je me dis, je vais prendre ce petit-là. Il y a ces petites couleurs-là, évidemment, dans les tons roses. Pour pas changer. Et dans les tons un peu plus neutres. Voilà. J'ai repris un roller col. Ça sert toujours. 98 centimes. Enfin, 98 centimes, je pense que vous dites... En France, je vous montrerai les prix directement, parce que si je dois commencer à en convertir chaque fois, je m'en sors pas. J'ai pris des petits pompons, donc je sais pas si vous l'aurez à l'endroit. Je vais quand même vous dire le prix alors, 76 centimes je crois qu'on dit, hein, ou 76 centimes en version belge. Voilà, bah, j'ai repris un petit peu de cardstock, voilà, là c'est 1,52€. Je me dis ça fait toujours du bien d'en avoir un petit stock parce que j'en consomme beaucoup. J'ai repris un roller pour correction, donc on dirait la marque Tipex, enfin c'est pas la marque Tipex mais l'équivalent, 1,35€. Voilà, je m'en sers souvent quand, enfin souvent quand je recopie au propre mes tutos dans mon carnet. J'en utilise, mais c'est vraiment si c'est pour un petit bout, parce que sinon je recommence la feuille, j'ai horreur de ça. J'ai pris pour 76 centimes ou 76 centimes, voilà, des petites fleurs en tissu, mais ça je pense que je les avais déjà vues sur certains hauls. Au début elles ne me plaisaient pas et maintenant elles me plaisent, on va chercher. Donc j'ai pris en mauve, c'est avec ces deux couleurs là. Celui que j'ai été aujourd'hui était plus fourni que celui que j'avais été hier, avant-hier, ça dépend où on va. Et forcément en rose. Justement, vous savez bien, je carbure aux roses, aux paillettes, aux princesses, aux fées, licornes, voilà, forcément. Ensuite, à cause, moi je dis bien, c'est à cause de Créa Mélane qui les a montrés ce matin, j'ai pris à 59 centimes les demi-perles, mais j'ai pas trouvé les roses. Elle m'a fait envie avec ses paquets de roses, mais tant pis, si je retourne et que je les vois, je les prendrai. Donc j'en ai pris deux. Parce que ça, je n'en avais pas du tout. Ça peut servir surtout au moment des fêtes. Comme ça. En argenté, doré et blanc. Voilà. Et ici, c'est donc dans les tons bleus. Je vais vous montrer comme ça. En bleu clair, un peu plus foncé. Et un bleu marine, bleu foncé. Ouais, je vous ai dit les prix. Voilà. Oh, ça, c'est... des bons becs. C'est pas vraiment scrap, mais bon. Vous avez payé combien, hein? 99 centimes. Wow. Et ça aussi, je les ai vus avec Créa Mélane. Elle m'a fait envie, c'est sa faute. Voilà. Bon. Ça, par contre, la première fois que je les ai vus, j'ai hésité à les prendre, mais après, je me dis non. Pour 79 centimes ou 89 centimes, forcément, je dirais chaque fois les deux prix. Les, ils sont magnifiques, malgré tout. Des fluo pastels. Enfin, des surligneurs pastel. Je vais tester. Bon, je prends un petit carnet, une feuille ici pour voir. On va tester un peu au niveau des couleurs. Par où ça s'ouvre ça? J'arrive même pas à ouvrir une boîte. Oh, non, je vais franco. Hop là. De toute façon, je vais les ranger après. Je vais. Passer un petit peu, voir comment ça donne. Mmh. Oh, j'aurais dû essayer le rose en premier, voyons. Oh, le rose, il est super beau en pastel. En plus, des mauves, genre... Là, je n'en avais pas. Comme ça, ça vous donne une petite idée des couleurs. Le carnet, là, c'est le carnet que je note les choses que j'ai achetées, en fait. Ouais, il y a le truc qui vient avec. Excusez-moi. Il y avait là une petite protection qui... Ouh, qui est venue avec. Je vais le remettre dedans. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Attendez, j'avais... J'aurais dû allumer l'autre lampe aussi. Je sais pas si vous verrez suffisamment. Voilà. De belles petites couleurs pastel. Vraiment pas mal. Et pour le prix, honnêtement, vous en avez donc 6 dedans. Et chaque fois, vous avez, par exemple ici, un motif léopard. Là, c'est It's Friday Yet. Un mot en anglais. You Glow Girl. Ouais, mon anglais est super, hein, comme vous pouvez le voir. Là, des petits yeux. Des petits cœurs. Et Stay Wild. Mais franchement, de plus en plus, ça me donne l'idée, je voudrais bien apprendre l'anglais. Ça peut toujours servir. Bon, et enfin, Oh ben oui, attends, je vais vous montrer avant les blocs. Ben, j'ai pris aussi ce petit coussin pour mes fesses. Quand je suis dehors, pour mettre mon petit papette dessus. 1€ ils sont en promo. Bam. Et mais ça, je ne serai pas vous. Enfin, je crois pas que je serai vous la montrer. J'ai pris tout simplement une box. Vous voyez, comme ça. Enfin, vous ne verrez pas bien. C'est les box qui s'ouvrent sur le dessus en deux avec le couvercle. Parce que je vais ranger, comme je vous ai expliqué, moi je range mes chutes de papier. Donc dans des enveloppes plastiques de chez Action aussi. Je mets une petite bandelette pour dire si c'est des chutes roses, des mauves, etc. Mais le problème c'est que moi je les avais mis dans un sac et une espèce de petit sac en tissu normalement pour les enfants. Mais le problème c'est qu'à la longue de le transporter, ben... Hier, j'ai une des anses qui s'est fait la malle. Bon, je me dis, chaque fois, je ne vais pas racheter un sac, c'est gaspillé inutilement, donc je vais le mettre dans une boîte. Voilà, j'ai juste à prendre la boîte ou juste les parties dont j'ai besoin. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Oui, c'est barré. À 99 centimes, c'est déjà la troisième que je prends. J'aime bien parce que normalement, les gourdes, moi, je prends les gourdes... avant, je prenais celle avec le bouchon sport, mais le problème, c'est que... Moi je sais pas si c'est vous aussi, mais quand je bois à ça, j'ai l'impression de faire du bruit de... En plus il n'y a pas beaucoup d'eau qui vient. Je sais pas, j'ai essayé pour plusieurs sortes différentes. Est-ce que c'est moi qui m'y prends comme un manche, qui sait même pas boire une gourde, je sais pas. Tandis qu'ici ben, c'est comme une petite bouteille tout simplement. Mais bon, réutilisable au moins que de jeter chaque fois. Je suis pas une écologiste acharnée. Mais bon, voilà, quand je sais par exemple quand je vais à l'hôpital pour... faire contrôler ma maladie, etc. Je sais que j'en ai pour 2-3 heures, bah, pour pas non plus commencer à aller acheter sur place, etc. Ou emporter des bouteilles plastiques, bah, voilà, je remplis ma petite gourde juste avant d'eau bien froide. Et voilà, j'en ai une dans ma chambre, j'en ai une pour partir, j'en ai pris une réserve. Ici, en plus, c'est mis Be Happy, avec une petite abeille. Joyeuse abeille. Bon, maintenant, on va passer au bloc. Je vous dis tout de suite, j'en ai pas pris beaucoup. Il y en avait des autres, mais j'en ai encore quelques-uns. Mais bon, je me disais, il faut que je les use, Je les use en effet. Mais le problème, c'est qu'à la longue d'avoir toujours les mêmes motifs, j'étais découragée. Je me dis non. Il y a des nouveaux qui sont sortis. Je vais tester, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas pris. Quand ça ne me plaît pas, je ne vais pas acheter pour acheter. Donc, 1,99€ ou 1,99€ pour mes amis belges. Pour mes compatriotes. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Sweet Dreams. Voilà. Je vais vous le passer vite fait parce que je pense qu'il est déjà là. En plus, c'est pas facile ici. Vous voyez. Voilà. Faudrait que je le mette face caméra, mais j'ai pas envie qu'on voie ma tête aujourd'hui. J'ai une tête de... à faire peur. Ah, ma chienne est dehors, donc forcément, ils vont envoyer. Je m'excuse d'avance. Oh, je crois que c'était une araignée à l'envers, j'ai failli flipper. Ah oui, j'ai la phobie des araignées, mais en fait, c'est un cerf. Et je vais vous montrer après le dessus, on voit tous les motifs. Hein. Je vous le montre vite fait. Après, voilà, c'est de nouveau les mêmes motifs qui reviennent. Ouais. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Oups. Voilà, donc vous avez ces motifs-là. Et ces motifs-là. Tout simplement. Et j'avais donc celui-ci, le Happy. Mais il me semble qu'ils étaient déjà passés il y a quelques mois. Il me semble que je l'avais déjà vu. Mais bon, j'ai essayé d'user un maximum mes blocs. Et depuis quelques temps, je trouve qu'au niveau des blocs actions, il n'y avait rien dans mes actions. Il n'y avait que dalle. Donc voilà. Je vous le montrerai en nouveau le récapitulatif au-dessus. Parce qu'ici, je vais essayer de m'arranger pour mettre de face des fois. Mais bon, quand j'ai une meilleure tête.
En plus, je suis dans ma cuisine, j'aime pas qu'on voit l'arrière qui est tout. Voilà. Non, c'est trop, c'est rangé. Je sais pas, dans ma cuisine, j'ai pas de scrap room. Ou alors, peut-être une fois faire comme elle, le faire dehors. Il faisait beau en plus. Celui-là, il est pas mal, avec les petits pois. Celui-là aussi, il est magnifique. Là, c'est bien ce que vous avez comme ça, et vous avez même les petits motifs là. Bon, ça peut être bien pour au niveau de l'été. Ça irait plus pour l'hiver par contre. Et j'ai commandé donc les deux chez Craftelier, deux enveloppes 30, pour mettre des feuilles 30-30 en attendant d'avoir l'accordéon qui revient. Comme ça, pour mettre vraiment le. Ah ben après, c'est les mêmes, je crois les mêmes. Pour mettre des fois. Je veux dire, parce qu'il y a certaines pages que je n'aime pas du tout, que je sais bien que je ne vais pas utiliser. Alors, je m'en sers pour faire des tests quand je vois une créa ou l'autre que j'ai envie de reproduire. Pour pas utiliser du bon papier si je n'aime pas, ben, je prendrai les feuilles que je n'aime pas. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mon petit pot à bidule ici qui bloque le... Voilà, ah, je vais mettre plus comme ça. Donc voilà ce que vous avez déjà. Et ici, voilà. Vous voyez, comme je vous dis que c'était un tout petit haul. Oui, j'avais été l'autre fois, mais j'avais acheté 2-3 bricoles. J'avais pas... Voilà. Et j'ai jamais le courage d'attendre, d'avoir plusieurs choses pour faire la vidéo. Ou alors, il faut vraiment que je le fasse, le mettre de côté, puis faire un montage. Et honnêtement, je suis pas très montage. J'aime bien à la cool. Donc voilà. Ici, ben, je vais recopier les tutos pour voir lesquels que je pourrais faire après en vidéo. Mais franchement, c'est fleurci, j'adore. Par contre, ce que je ne retrouve plus chez Action, et ça m'énerve, c'est les carrés mousse. Parce que ceux que j'avais achetés datent de Mathusalem, au tout début que j'ai fait du scrap, donc il y a 2 ans. Et il y en a certains qui sont plus autocollants. Donc, mais ils n'en font plus chez Action pour le moment. Ça fait un moment que je les vois plus. Donc, il faudra peut-être que je les commande sur Ali ou je sais pas. Allez. Non, il y a un blanc parce que je regardais ce que faisait ma chienne. Même. Ouais. Enfin, soit. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt, j'espère. Et je vous dis scrap un jour, scrap toujours. Bisous à tous.